Dépêchez-vous! Désolé, Sagoua, ce n'est rien. Dongwa, attends-nous! Qu'on va le trouver, Chigua. Dongwa? Montre-toi où que tu sois. D'accord, le jeu est fini. Tu as gagné. J'ai gagné, tu l'as dit. J'ai gagné. Et voilà, le grand frère est encore champion. Et voilà, le grand frère fait son raseur. Ça, c'était drôle. Allez, jouons encore. Je suis d'accord, Chigua, mais jouons plus gros cette fois-ci. Pourquoi pas... Le perdant nettoie le pavillon. Hop, youpla. Hé, ce n'est pas drôle, Jet. Ne t'embrouille pas la queue, Sagoua. On s'amusait, c'est tout. Hey, c'est peut-être toi qui as besoin d'eau. Tu as la figure toute sale. Elle n'est pas sale. Ce sont ses marques. Il le sait, Chigua. Il veut juste me mettre en colère. Rentre plutôt au palais pour que ta maman te nettoie. Maman? Oh, malheur, non. Faut qu'on termine les rouleaux. On le lui a promis. Ta figure est toute sale. Mais il y a une bonne raison à cela. Sagoua, dépêche-toi. Vite. Oups. Fais attention, enfin. Que s'est-il passé? Désolé, un accident. Fais attention la prochaine fois. Je ne vois pas pourquoi on est obligé de pratiquer notre écriture. Moi, je préférerais pratiquer mon gong-fu. Hey, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Toi. Allons, Chigua. Ne te moque pas de ton frère. Il essaie juste d'être... Ça suffit. S'il te plaît, termine ton écriture. Maman sera là dans une minute. Tu ne veux pas qu'elle soit fière de toi? Mais de quoi pourrait-elle être fière, hein? Que nous pratiquions notre écriture. La belle affaire. C'est ça l'idée que tu as du bon temps. Dongwa, tu connais nos traditions de famille, non? On a toujours été calligraphes. Qu'est-ce que c'est? La calligraphie est l'art d'écrire des mots de sorte qu'ils aient très belle allure.
Et depuis plusieurs générations, notre famille a l'honneur d'écrire tous les rouleaux officiels de tous les magistrats de cette province. Bon sang, Sagoua, je croirais entendre notre père quand tu dis ça. Qu'est-ce que ça a de mal? Ça me plaît, moi, quand Baba parle. Hé, je te l'ai dit, arrête! Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Il est l'heure de vous coucher. Mais maman, on n'a pas encore sommeil. Non, on n'a pas sommeil. Mais vous n'êtes que deux. Et où est Sagoua? Je suis là, maman. Sagoua, qu'est-ce que tu fais là-haut? Combien de fois faut-il que je te répète de ne pas grimper si haut? Je regrette, maman. Bon, et maintenant au lit. Et Sagoua, je t'en prie, sois un peu plus prudente. Tu te rappelles ce qui t'est arrivé la première fois que tu as grimpé trop haut et les ennuis que tu as eus? Oui, maman, je me rappelle. Moi, je ne me rappelle pas. C'est parce que tu n'étais alors qu'un bébé. Ne me traite pas de bébé. D'angoisse, sois gentille avec ta petite sœur. Mais elle n'était qu'un bébé, c'est vrai, elle venait tout juste de naître. D'angoisse, je t'ai dit... Je regrette, maman, mais elle pose parfois des questions idiotes. D'angoisse. D'accord, d'accord. Pardon. Je n'y peux rien, moi, si j'étais si petite que je ne me souviens pas. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Oh non, pas encore cette histoire. Je t'en prie, maman, je t'en prie, qu'est-ce qui s'est passé? Voyons, Sagoua, est-ce que je peux raconter ton histoire à nouveau? Oh, cette... Eh bien, si tu en as envie. Bon, alors d'accord. Voyons. Tout a commencé un matin au petit déjeuner. Allons les enfants, dépêchez-vous, ou votre père et moi allons être en retard au travail. Oui, on doit y aller, le maître nous attend. Pourquoi? Qu'est-ce que tu dis, Dongwa? Pourquoi est-ce que vous devez y aller? Pourquoi est-ce que vous devez aller écrire ces règles ridicules, dites-moi? Mais, voyons, de quoi est-ce que tu parles, mon fils? C'est notre travail, notre devoir. Mais est-ce que vous ne détestez pas écrire toutes ces vieilles règles idiotes du magistrat? Elles sont parfois si injustes. Dongwa, ce n'est pas à nous de décider de ce qui est juste ou de ce qui ne l'est pas. Nous ne sommes que des chats. Et des chats qui ont de la chance, crois-moi. Regarde où tu vis, ce que tu manges. Est-ce que tu crois que c'est aussi facile pour les chats du village? Jeune homme, je ne veux plus jamais t'entendre parler de cette façon. Oui, s'il arrivait qu'on t'entende, on pourrait nous jeter à la rue. Ou pire, Dongwa, n'oublie pas de rester à ta place. Mais... Pas de mais. Finissez de déjeuner. Nous reviendrons plus tard. Tchou-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 ch
Eh bien alors, fais-le! Oui, oui, très bien, mon adorable Litchi. Oui, c'est d'accord. C'est d'accord. Crieur! Oui, votre excellence. Quelle nouvelle règle avons-nous édictée la semaine dernière pour le bien de mon peuple? Laissez-moi voir, votre grâce. La semaine dernière, vous avez banni le rire, la danse, les plaisanteries, toute festivité et en général tout divertissement. Eh bien voilà, ma fleur de lotus. Je crois que nous avons tout couvert. Je ne crois pas qu'il reste quoi que ce soit à bannir. Eh bien, il nous reste encore le chant. Le chant? C'est une merveilleuse idée! Et donc tu y es, impose donc une amende plus élevée que de coutume. Tout ce bruit dérange mes poses beautés de toute façon. Et je dois ajouter celle de tes trois filles. Très bien, très bien. Qu'il soit donc décrété... Et il ne sera jamais trop tôt pour... Ma délicate merveille chinoise, si tu veux bien me permettre... Crieurs, chats royaux, approchez pour que ma parole devienne force de loi sur cette terre. Nikolai, allons, venez, accomplissez votre tâche. Nous sommes prêts, votre excellence. Ah oui, 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 très bien. Qu'il soit donc décrété qu'il n'y aura plus aucun chant de l'aube au crépuscule. C'est une loi très sage, mon cher. Mais est-elle assez stricte? Excellente question, ma kumquat de premier choix. Excellente question. Tu sais, j'ai réellement horreur que tous ces gens chantent. Donc, nous allons dire, aucune période de chant. Voici la nouvelle règle. Il n'y aura plus aucun chant du matin au soir et du soir au matin. Ceci est ma parole et ceci est la loi, par ordre de son excellence impériale, etc., etc., etc. Cette règle les obligera à se taire, ainsi au moins j'aurai la paix. Désormais, je serai le seul à chanter. Pas de chant, pas de danse, pas de rire ou c'est pampan. C'est la règle, c'est la loi, pas le droit de dire ha ha. Ni le jour, ni la nuit, si vous y êtes pris, faut payer. On espérait que tu dictes une petite loi comme celle-là en faisant moins d'histoires. Venez, mes chéris, c'est l'heure de notre bain debout. Mais avant que je me retire, encore une petite affaire. Voici les noms de ceux qui ont déjà enfreint la loi aujourd'hui. Quand ce sera sec, va le lire aux villageois. C'est la pire des lois que j'ai entendues. Écoute, même le cuisinier a eu une amende parce qu'il chantait en nous servant notre petit déjeuner ce matin. Ce n'est pas juste. Rappelle-toi ce que tu as dit à Donghua. Ce n'est pas à nous de juger de ce qui est juste ou injuste. Notre rôle, c'est d'écrire, et c'est tout. Après tout, nous ne sommes que des chats. On ne peut pas changer le monde. Ce n'est pas parce qu'on est des chats qu'on est impuissant. On peut changer le monde. Comment je vais faire pour descendre? Il faut que je saute. Oh, ça ne va pas. Maintenant, il est écrit, il y aura des chants du matin au soir et du soir au matin. Waouh, ça c'est génial, des chants toute la journée. C'est peut-être une bonne chose après tout. Oh, oh, il faut que j'enlève les empreintes de mes pattes. Il faut que je file vite. Eh bien, cette fois-ci, je vois que tu as réellement des ennuis.
Foufou, tu m'as trouvé? Attends un peu, je n'aurais pas cru que tu y voyais si bien. Avec la tête en bas, j'y vois mieux. Et je peux voir qu'une fois de plus, tu es dans le pétrin. Alors, c'est quoi cette fois-ci? De l'encre. Tu peux me transporter à la mare pour me laver? De l'encre? De l'encre? L'encre ne s'en va pas avec de l'eau, surtout ce type d'encre. Tu ferais bien de t'habituer à ces taches parce qu'elles ne partiront pas. Oh oh! Oh là là, cette fois c'est vraiment grave! Prends ça comme si c'était une nouvelle mode. Il n'y a pas que ça. Quand je suis tombée dans l'encrier, j'ai éclaboussé une des règles du magistrat. S'il découvre ce que j'ai fait, il va me jeter à la rue. Il va jeter toute notre famille à la rue. Justement, maman l'a dit à mon frère aujourd'hui, car il disait juste des sottises. Oh! Ella, calme-toi. Ne t'effondre pas sur moi. Oh, vite, filons d'ici. Eh bien, ça on peut dire que c'est réussi. Tu vas avoir de gros ennuis. Merci de ton soutien, Dangua. Oh, désolé, mais comment, enfin, qu'est-ce que t'as fait pour être comme ça? Je suis tombée dans l'encrier. Tu es quoi? Eh bien, tu vois... Mama et Baba vont être vraiment... Sagua sait qu'elle a des ennuis et je vais l'aider à résoudre ce petit dilemme. En attendant, tu fais beaucoup, beaucoup trop de bruit. Du bruit, du bruit, du bruit. Ce ne serait pas bon du tout d'attirer l'attention sur ce petit ennui et j'ai besoin de paix et de tranquillité pour trouver un plan. Alors, pourquoi est-ce que vous... J'ai compris, je vous quitte. J'ai une envie folle de raconter à tout le monde comme tu as l'air ridicule avec ta tête d'encre. Dangua, ne dis absolument rien, à personne. Toute notre famille pourrait avoir des ennuis à cause de moi. D'accord, d'accord, d'accord. Mais tu m'en devras une. Tu veux bien t'en aller, s'il te plaît? D'accord, d'accord. Ah oui, enfin la paix. Voyons, où en étais-je? Le plan, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, le plan. Bon, voyons, si on laissait... Tu as 2 minutes de retard. Prends ce rouleau avec les nouvelles règles, va sur la place du village et lis-les à tout le monde. Tout de suite. Sagua, du calme. Je vais voler jusqu'au village pour voir ce qui s'y passe. Je reviens te faire un rapport dans un rien de temps. Jai Jin, mon ami! Par ordre de son Excellence impériale, je décrète par la présente que sa parole a force de loi et que la loi de cette terre est qu'il faudra chanter du matin au soir et du soir au matin. C'est vrai, c'est vrai. Voyez, c'est là. Oui. Tout le monde doit chanter à longueur de journée. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ceux qui font ce bruit horrible et hideux? Vraiment, mon cher, comment osent-ils désobéir à tes règles? Mais oui, comment osent-ils? Quatre cent trente-quatre, mon cher! Un nouveau record! Je crois que demain, à 7 heures, nous aurons des vêtements en or si tous les chants continuent. On a presque envie d'en aimer la musique. Pourquoi est-ce que toutes ces personnes chantent? Pourquoi est-ce que toi aussi tu chantes? Tu ne leur as pas montré ma nouvelle règle? Mais...
Très honorable magistrat, c'est votre nouvelle règle. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ma nouvelle règle. Qui a fait ça? Oui, qui a fait ça? Mais qu'est-ce qui te fait sourire? Comment arrives-tu même à penser? Mais écoute, mon merveilleux nénuphar, écoute toutes ces paroles merveilleuses. Il chante mes louanges. De toute ma vie, jamais mon peuple ne m'avait dit une seule parole gentille. Voyons, mon cher, en 30 ans, je ne t'avais pas encore vu pleurer. Eh bien, en 30 ans, jamais mon peuple ne m'avait appelé gentil. Imagine ça! Ma gentillesse les a poussés à chanter. Que c'est beau! Qui est-ce? Oh! Donc c'est toi qui as changé ma règle. Maman Miao, Baba Miao, venez par ici, vite! Regardez ce que votre chatonne a fait! À cause de ce que Sagwa a fait, je veux que vous écriviez 3 nouvelles règles. La première nouvelle règle est... Je retire toutes les anciennes règles. Tout le monde peut maintenant rire, plaisanter, danser et siffler du matin au soir et du soir au matin quand ils le désireront. Voici la deuxième nouvelle règle. Désormais, mon village sera ouvert à tous les chats errants. Et tous les chats auront à manger du délicieux poisson tous les jours, autant qu'ils en voudront. Enfin, la troisième nouvelle règle. Désormais, tous les chats chinois auront la figure, les pattes et la queue noires en honneur du plus grand de tous les félins, Sagwa de Chine. Waouh, maman, c'était une histoire fantastique. Eux, ils la connaissaient déjà. Mais merci, Chigua. Et maintenant, il est l'heure de dormir. Mais je veux connaître la suite. Mais c'est tout. C'était vraiment la fin. Waouh, Sagwa a fait du très bon travail. C'est vrai, Chigua. À bien des égards, c'est vrai. Mais tu sais, elle a aussi fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Vraiment? Oui, vraiment. Mais voici le bon côté. Bien souvent, on tire une leçon de nos erreurs. Je n'avais pas vu les choses comme ça. J'imagine que Sagwa en a tiré une leçon. Nous en avons tous tiré une leçon. Même le magistrat? Particulièrement le magistrat. Maintenant, il faut que tu dormes. Demain est un autre jour. Et une autre aventure. Oh là là, tu commences déjà à parler comme Sagwa. Fais de beaux rêves, ma petite aventurière. Tu sais certainement comment retomber sur tes pattes quand parfois tu as des ennuis. Mais ton cœur est toujours au bon endroit. Thank you.